Vous avez un verre, Sophie ? Commence à prendre un peu de corps. Hein. Ça, c'est impressionnant parce que pour une jeune vigne, c'est très structuré. Les Syrah, cette année, elles sont fruitées. Hein. Hein. Côté framboise. Hein. Intéressant, c'est que d'un jour à l'autre, on voit les évolutions, t'as vu ? Oussane Gaspare. Tu les tournes tous les combien ? Tous les deux jours. Parce que c'est déjà clair. Bon, en fait, on a soutiré, on a gardé que les lits très fines. Et là, on l'a Vous n'avez pas gardé des lits quand même, Gisèle ? Vous en fait, gardez des lits. Parce qu'il ne faut pas soutirer trop clair, il faut garder de... Parce que là, c'est vraiment très clair. Parce qu'en fait, c'était pas mal il y a deux jours. Ils sont bons, mais ils sont un peu... Ils sont un peu... Ouais, donc les deux. C'est qu'on est en Paris, là. 80. Ouais, donc ça n'est pas 16 tonnes. Il n'y a pas les presses. Ah, ouais. Là, c'est le premier délestage. Hein. Ah. T'auras peut-être raison. Il y a bon goût, ça va. C'est un peu acide. C'est incroyable, vous savez, que ce soit goût. La fraise écrasée. Donc tu veux ça ? La fraise. C'est rare d'avoir des carignans à la fraise. Tu vois, c'est mûr, mais c'est pas confit. C'est... Il y a du fruit. Ça, c'est le rendement idéal, 4-5 grappes. Non, mais ce que j'ai dit, il arrive. Mais ça, c'est plutôt pour, si tout va bien, 4-5 jours. Bastien, tu prends la voiture, on descend, nous. Là, il y en a pour 10 jours. Hein. Ça, c'est un carignan du 15 octobre. Hein. Les années sont bien. Sur les terroirs de Ruffes, et avec les dernières pluies, ça a bien profité. C'est l'année des Ruffes, cette année. Ça a du goût, là. Hein. Les graines sont un peu moins gros que là-haut. Et... je ne sais pas qu'ils sont mieux, c'est qu'ils sont plus près. Mais il y a eu le bon nom au bon moment. Mais c'est magnifique. Je crois que c'est les meilleures roussanes qu'on ait jamais fait depuis toujours. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus, il faut attendre, c'est tout. Il faut attendre et travailler en douceur. Ouais.